Les mystères de l'été. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir, entre deux gendarmes, il faut choisir le moindre. Un film radiophonique de Pierre Frachet avec Jacques Morel et Jean-Claude Michel. Entrez, monsieur. Monsieur Bachelard. C'est moi. Je suis Jacques Surbier. Content de vous connaître, monsieur Surbier. Tenez, prenez dans ce fauteuil. Merci. J'espère que je ne vous dérange pas. Votre secrétaire m'a dit ce matin au téléphone que votre emploi du temps d'aujourd'hui était assez chargé. Si je me suis permis d'insister auprès d'elle, c'est que j'avais affaire moi-même dans ce quartier en début d'après-midi. Alors j'ai pensé en profiter pour passer vous voir. Je tenais à régler cette question. Ce n'était vraiment pas indispensable. Les petites dettes sont comme les amours de vacances. Si on ne s'en dégage pas tout de suite et tout à fait, on risque de les traîner longtemps. Vous êtes un scrupuleux et un philosophe. Simplement un homme organisé. Vous vous défiez des amours de vacances ? Je viens de vous dire que j'étais un homme organisé. Célibataire ? Hélas, oui. Je comprends plus. Pourquoi dites-vous hélas, oui ? Parce que les hommes mariés sont beaucoup mieux défendus contre leurs maîtresses. Ce sont les petites amies des célibataires qui deviennent des maîtresses abusives. Je crains que vous ne vous fassiez des illusions. Il n'est pas de maîtresse plus abusive que l'épouse légitime. Vous parlez comme un homme marié. Hélas, oui. Ah. Ah, célibataire ou homme marié, tant qu'il y aura des femmes, nous nous plaindrons du serpent. Je vous offre un verre, monsieur Surbier. Que voulez-vous boire ? Whisky, cognac ou jus de fruits ? Oh, jus de fruits, s'il vous plaît. Moi, je prendrai un petit scotch. Vous êtes sobre, monsieur Surbier. Vous me dites cela comme un reproche ? Tenez. Voici un jus de raisin, bien frais. Merci. Un reproche, non. Non, pas du tout, au contraire. Des quelques hommes réellement efficaces, réellement dangereux que j'ai pu rencontrer dans ma vie, j'ai remarqué qu'aucun n'avalait jamais une goutte d'alcool. Efficace, je me l'explique, mais pourquoi dangereux ? Bon, un homme réellement efficace est toujours dangereux. Oui, j'emploie sans doute là, inconsciemment, un vocabulaire de chef d'entreprise. La libre entreprise, c'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, c'est la loi du plus vache. À votre santé. À votre santé. Vous avez fait réparer votre voiture ? Je l'ai conduite au garage ce matin. Elle sera prête à 6 heures. Alors je ne sais toujours pas combien je vous dois. Rien. Vous ne me devez rien. Si je vous ai téléphoné avant-hier, c'était seulement pour vous remercier de votre courtoisie et pour saluer votre loyauté. Je ne veux pas de votre argent. Non, il n'y a pas de raison pour que vous ne soyez pas remboursé. Je vous l'ai expliqué, mon contrat d'assurance prévoit une importante réduction des primes si je ne suis responsable d'aucun accident pendant l'année. Il est avantageux pour moi de ne pas signaler celui-ci, mais il ne faut pas pour autant que vous en soyez de votre poche, puisque vous n'êtes pas assuré tout risque. N'appelez pas ça un accident. C'est à peine un accrochage. J'ai cassé un feu arrière et un clignotant. Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Je contemple le phénomène. L'automobiliste qui, manœuvrant dans un parking non gardé, en pleine nuit, sans témoin, et brisant d'un coup de pare-choc le boîtier de feu arrière d'une voiture stationnée là, laisse sous un balai de l'essuie-glace de cette voiture son nom et son adresse avec quelques mots d'excuse, et qui, 3 jours plus tard, se déplace pour rembourser la réparation. Mais à condition d'en connaître le prix, vous ne voulez pas me le dire. Ben, je peux pas, j'ai pas encore vu la facture. Voyons, sur ma voiture, le remplacement de la même pièce il y a un an m'a coûté 35 francs, je crois, ou 40. La vôtre est plus puissante, c'est sans doute plus cher. Je vais vous donner 50 francs. Je ne les prendrai pas. Si, j'y tiens.
Non, non, ne sortez pas votre carnet de chèques, monsieur Surbier, ni votre portefeuille. Je vous répète que je ne veux pas de cet argent. Vous ne me connaissez pas? Je suis têtu. Rien à faire. Oh, attention. Vous perdez une photographie. Oh, je vous demande pardon. C'est ma dernière conquête. Vous la trouvez jolie? C'est ma femme. Voilà une phrase qui ferait tout à fait bien comme dernière réplique du deuxième acte dans une comédie de boulevard, vous ne trouvez pas? C'est ma femme. Et là-dessus, le rideau tombe. Les bravos montent du parterre garni pour un tiers d'exposants et pour deux tiers de visiteurs du 17e salon de l'équipement électroménager. Après vos cinq rappels, quand les applaudissements s'apaisent dans un décrescendo de fin d'averse sur une véranda, un frisson délicieux parcourt les spectateurs. Les têtes se penchent l'une vers l'autre. « Quel coup de théâtre !» murmure-t-on. Et moi, en coulisses, je fais des efforts pour ne pas rire. Je regrette un peu de le désamorcer aussi vite, monsieur Bachelard, mais ce coup de théâtre n'en est pas un. Du moins pour moi. Je savais que cette élégante jeune personne était votre épouse. Vous le saviez ? Je le savais. Je sais beaucoup de choses, monsieur Bachelard, sur vous et sur votre femme. Ah, oui. Mais procédons par ordre. Pardonnez-moi d'abord le stratagème de l'accrochage avec votre voiture en stationnement. C'était un moyen parmi d'autres de me présenter à vous d'une manière plausible. La fantaisie du moment m'a inspiré celui-là. Si vous ne m'aviez pas téléphoné, d'ailleurs, je serais venu quand même. J'aurais prétendu avoir découvert votre nom d'après le numéro de la plaque de police grâce à une relation imaginaire à la préfecture. Oubliez ensuite cette petite mise en scène de la photographie glissant du portefeuille et vous tombant, pour ainsi dire, dans les mains. La coïncidence eût été en effet savoureuse. Elle est trop belle pour être vraie. J'ai eu envie de m'amuser un peu. J'ai gardé de mes années de collège un certain goût de la mystification. Et puis, celle-ci m'a été très utile pour étudier votre réaction. Rares sont les gens qui savent dissimuler leurs véritables sentiments sous le coup de la surprise. Et quel a donc été mon véritable sentiment sous le coup de la surprise? Exactement celui que j'attendais. Mais encore? Le contraire de celui auquel on aurait pu s'attendre en pareil cas. Votre visage n'a montré ni l'indignation, ni la colère, ni l'amour blessé, ni l'orgueil meurtri. Ce que j'y ai lu, monsieur Bachelard, et je sais lire sur les visages, je suis un vieux joueur de poker, c'était une expression de délivrance. Tiens, je suis certain de ne pas me tromper. Bien. Et maintenant, si vous m'expliquiez un peu ce que tout cela signifie. Je suis là pour ça. Eh bien, alors, je vous écoute. Monsieur Bachelard, vous avez bien une maîtresse. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça peut me faire gagner 50 000 francs. Je ne vois pas encore clairement où vous voulez en venir. Je suppose que je vais être fixé très bientôt. Mais avant que vous commenciez à déballer votre marchandise, je tiens à mettre les choses au point. Si c'est sur mon dos que vous escomptez gagner 50 000 francs, de quelque manière, véreuse que ce soit, par la force ou par la ruse, vous repartirez les mains vides. Je ne marche ni au chantage, ni à aucune forme d'extorsion, même raffinée. Mettez-vous bien cela dans la tête. Faites comme si d'autres que vous, encore plus marioles, et il en existe, j'en connais, ne vous vexez pas, s'y étaient déjà essayés sans le moindre succès. Alors cela étant dit, et dit une fois pour toutes, nous sommes bien d'accord. Nous le sommes, soyez tranquilles. Alors cela étant dit, j'ai 48 ans. Ma vie n'a pas été toute simple. J'ai pris des coups, j'en ai donné, mais j'en ai pris assez pour ne plus jamais être naïf. Mais j'en ai donné suffisamment aussi pour ne plus être exagérément soupçonneux. Je sais d'expérience qu'il n'y a pas que des marchés de dupes, qu'il y a parfois des transactions rentables. Je prends la peine d'examiner toutes celles qu'on me propose, je ne renvoie jamais un représentant sans l'avoir entendu. Si votre affaire vaut 50 000 francs, et qu'elle m'intéresse, nous pourrons peut-être traiter.
Je crois qu'elle les vaut. Et je pense que nous traiterons. Ouvrez votre dossier. Nous pouvons parler sans risque d'être entendus. Oui, sans aucun risque. Votre secrétaire. Non, de son bureau, elle ne distingue pas nos paroles. Parfait. Donc, selon votre femme, vous auriez une petite amie. Ma femme est jalouse. Aux yeux d'une femme jalouse, tout mari passe pour être infidèle. Non, je voudrais dissiper tout de suite une équivoque possible, monsieur Bachelard. Je ne suis pas un indicateur de basse classe, un mouchard besogneux, un maître chanteur à courte vue. Ôtez-vous ça de l'esprit. Les renseignements touchant votre vie privée ne sont pas la fin, mais les moyens de mon argumentation. Considérez-moi, si vous voulez, comme un conseiller en gestion qui serait venu vous offrir ses services. Si je relève, ici ou là, une quelconque faiblesse dans l'organisation de l'entreprise, ce n'est point pour en faire état contre la direction générale. Non, c'est pour aider celle-ci, avec son plein accord, à y reporter remède. Encore faut-il que la direction générale ne refuse pas de reconnaître cette faiblesse. Soit. Eh bien, pour les besoins de la discussion, nous imaginerons pendant un instant que la direction générale a eu une faiblesse. Après tout, la chair est faible. De plus, je suis en quelque sorte soumis au secret professionnel. Ah bon ? Oh ben alors me voilà tout à fait rassuré. Continuez, monsieur l'ingénieur conseil. Le fait que vous trompiez votre femme n'est pas, si j'ose dire, la pièce maîtresse de mon dossier. La question, en tout cas, n'est pas de savoir si Madame Bachelard, qui vous soupçonne de la trahir sans en avoir la preuve encore, verra ou non ses soupçons se confirmer. Je ne suis pas en train de vous vendre mon silence, je le répète, je vise plus haut. Oui, et plus cher. Vous êtes industriel. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'à long terme, tout investissement se transforme en bénéfice. C'est vrai. On peut distinguer trois catégories de maris infidèles. Il y a le mari qui, aimant sa femme profondément et une fois pour toutes, n'en reste pas moins, jusqu'à son extrême vieillesse, incapable de résister à la tentation de l'adultère. Coureur infatigable en même temps qu'époux attentionné, attaché avec une égale conviction à l'harmonie de son foyer et à sa passion pour les jolies filles, il collectionne des aventures fugitives, jaloux de son indépendance vis-à-vis de ses conquêtes, attentif à ne rien compromettre pour l'une d'entre elles, de son bonheur familial, et toujours prêt, s'il le faut, à sacrifier celle-là à celui-ci. C'est pas mal. Ah, voilà un caractère que la Bruyère n'aurait peut-être pas brossé beaucoup mieux. Vous êtes trop indulgent. Ne croyez pas cela, je suis sans pitié, au contraire. Le mari de la deuxième catégorie, oui, comme le premier, aime sa femme. À la différence du premier, il n'a, lui, qu'une seule maîtresse. Il aime autant l'une et l'autre. Il consacrera son invention et ses énergies à préserver toute sa vie, s'il se peut, ce fragile mais bienheureux équilibre. Oui, mais j'ai connu un type de cette sorte. Il était conducteur de poids lourds. Pendant 14 ans, il a fait Paris-Concarneau deux fois par semaine en rangeant son camion tantôt devant le pavillon de Champigny où vivaient sa femme et ses trois enfants, tantôt devant la petite maison bretonne où sa bonne amie l'attendait en élevant les deux filles qu'elle avait eues de lui. Après 14 ans, sa femme est morte. Il a vendu le pavillon de Champigny. Il a épousé la Bretonne. Maintenant, il descend à Paris chez une veuve de gendarme qui habite près de la porte Saint-Cloud. Et la troisième catégorie? C'est celle de l'homme marié qui est tombé amoureux de sa maîtresse et qui souhaite divorcer pour refaire sa vie avec elle. Alors? Quelquefois, c'est possible. Quelquefois, non. Tout dépend de sa femme. Il arrive qu'elle se résigne, mais il arrive aussi qu'elle refuse de céder par passion, par vengeance ou par intérêt. Dans ce cas, le mari n'a pour ainsi dire plus aucune chance de pouvoir rebâtir en dehors d'elle une existence normale. Son nouvel amour est condamné. Mais tout dépend du mari. Il arrive qu'il se résigne. Mais aussi qu'il refuse de céder. Une épouse intransigeante est sur ce point une citadelle imprenable. Elle tiendra des années. On n'imagine pas ce qu'il y a de patience têtue, d'obstination méthodique, de férocité tranquille chez une femme qui s'accroche. Si.
Moi, je l'imagine très bien. Monsieur Bachelard, vous allez me dire si je me trompe. Je vous ai classé dans la troisième catégorie. Par ailleurs, j'ai jugé Madame Bachelard comme répondant à la seconde définition de cette dernière rubrique. Celle de l'épouse inflexible qui n'acceptera pas le divorce. Maintenant, donnez-moi votre avis. Un mari de la troisième catégorie, enchaîné à une épouse répondant à la seconde définition, ne donnerait-il pas 50 000 francs pour être débarrassé d'elle? Vous ne répondez pas? Je réfléchis. Quelle méthode préconisez-vous pour obtenir ce résultat? Le cyanure de potassium, le poignard, le lance-flamme ou la route nationale à trois voies dimanche après-midi? Si vous pensez au meurtre, c'est que vous me sous-estimez encore. Certes, je suis une sorte d'aventurier et ma morale personnelle est assez large pour que les scrupules ne l'encombrent pas. Je sais prendre des risques, mais j'aime bien les calculer moi-même. Et je ne joue jamais au-dessus de mes moyens. Le prix d'un meurtre est trop élevé pour moi. Je ne crois pas au crime parfait. Vous avez peut-être tort. En tout cas, il ne figure pas au nombre de mes compétences. Et puis, voyez-vous, en dépit des efforts récents et indiscutables de l'administration pénitentiaire, j'estime que le confort des prisons françaises laisse beaucoup à désirer. Je suis avant tout un homme libre et j'entends le rester. Je vis depuis longtemps en marge de la loi, mais dans la partie de la marge qui est le plus près du texte, vous voyez, juste sur le bord. Je m'en suis toujours trouvé bien. Et c'est précisément en me servant de la loi que je peux vous débarrasser de votre femme. De la loi? Et de quelle façon? Flagrant délit d'adultère. Ou bien sûr, nous ne sommes plus au bon vieux temps où l'épouse convaincue de ce délit encourait, autrement que pour la forme, la peine de 3 mois à 2 ans de prison prévue au code pénal à l'article 339, je crois. 37. 337, c'est oui. Exact. Je vois que vous êtes renseigné. Oui. J'ai parfois de saines lectures. Le relâchement des mœurs fait sourire aujourd'hui de ce cérémonial ridicule au cours duquel un officier de police vient surprendre la coupable et son complice, puis consigne dans un procès-verbal les preuves que le délit a été consommé. L'image évoque le vaudeville d'avant 1914, mais la procédure existe encore. On a parfois tort de l'oublier. Peut-être. Les laboratoires Bachelard-Tourelle figurent au 6e rang de la production française de produits pharmaceutiques. Vous êtes riche? Je ne veux pas dire par là que Madame Bachelard vous est épousée pour votre argent, non. Non, d'ailleurs, vous êtes un homme de belle prestance. Non, mais vous n'êtes pas mal non plus. Je ne vous le fais pas dire. Mais enfin, l'argent aussi a sa place en tout cela. Outre ses motifs passionnels, votre femme en a d'autres pour ne pas vous lâcher. Elle mène une vie matérielle plus qu'enviable. Elle ne va pas y renoncer pour vous procurer le plaisir de l'offrir à une autre. Si vous demandez le divorce sans raison grave, elle bataillera indéfiniment, vous accablera de soucis, de paperasse et de temps perdu. Exigera une pension exorbitante. Vous saignera jusqu'à votre dernier vieux million. Elle ne vous tient plus que par là. Par le mal qu'elle peut vous faire en vous empêchant de revivre libre. C'est malheureusement vrai. Tandis que si vous la coincez, monsieur Bachelard, vous êtes sauvé. Votre ménage est sans enfant. Avec un constat en bonne et due forme, vous obtiendrez le divorce en 6 mois par décision du tribunal et pour un minimum de frais. Commencez à m'intéresser, monsieur Surbier. J'ai connu Françoise. Oh. Permettez que je l'appelle Françoise. En fait, comme chez vous. Elle n'est jamais venue chez moi. Non, j'ai connu Françoise dans la soirée du 21 du mois dernier, qui était un vendredi, au casino de Deauville. Vous vous souviendrez peut-être qu'après vous être assis avec elle à une table du dancing, non loin de l'orchestre, vous l'avez quittée vers minuit pour vous rendre dans les salles de jeu. Vous avez risqué quelques plaques à la boule, puis vous êtes passé à la roulette. Vous êtes resté environ 3 quarts d'heure. C'est juste. J'ai d'ailleurs gagné ce vendredi-là un peu plus de 2 000 francs, si je me rappelle bien.
C'était un heureux présage, n'en doutez pas. Après vous avoir suivi discrètement jusqu'au tapis vert et m'être assuré que vous y attarderiez un moment, je suis revenu vers la piste de danse et j'ai presque aussitôt invité votre femme. Ah oui. Eh bien, j'en arrive à un point de mon récit qui risque de comporter quelques passages délicats. Si désireux que vous soyez de vous séparer d'elle, je ne peux pas oublier, n'est-ce pas, que vous êtes son mari. Oui, mais vous inquiétez pas pour ça. Je n'ai plus, en ce qui la concerne, la moindre vanité de propriétaire. Et s'il me reste à son égard un sentiment de possession, c'est à peu près celui qu'éprouve envers sa fracture du tibia le type qui s'est cassé la jambe. On guérit parfaitement d'une fracture. Oui, quand elle est bien réduite. Je me fais fort de prouver que votre femme n'est pas irréductible. Vous êtes son amant ? Pas encore. Pas encore est riche de nuances. Je suis un chasseur de filles, monsieur Bachelard. Et je crois pouvoir l'affirmer, au risque de vous paraître encore une fois immodeste, on me considère généralement comme un assez bon fusil. Ah, oui. J'ai l'expérience de ces sortes de nuances et l'habitude de les déchiffrer. Vous êtes un homme trop bien élevé pour me contraindre à rapporter des détails qui sont toujours de mauvais goût en ce domaine. Je vous demande de me croire en confiance ou au moins de faire pour l'instant comme si vous me croyiez. Examinons la question à partant de ce postulat que je peux, sur un signe de vous, devenir dans les 24 heures l'amant de votre femme. Si je commettais une erreur d'appréciation ou si je présumais de mes capacités, nous en resterions là. Bien entendu, l'affaire ne tient que si je réussis. Oui, c'est l'inconvénient des professions libérales. On ne peut en vivre que dans le succès. Voilà. Après 10 ou 12 pas d'une danse un peu lente, j'ai déjà mesuré les facultés de résistance d'une inconnue à une pression des doigts qu'elle accepte ou qu'elle refuse, un frôlement de joue qu'elle supporte ou qu'elle évite, à un rapprochement du corps qu'elle repousse ou qu'elle accompagne. Je suis assez renseigné pour prédire si elle me cédera ou non. Dans le cas de Françoise, je vous avoue qu'il m'a fallu un peu plus de temps. Ça ne m'étonne pas. Nous avons dansé une dizaine de minutes, et puis elle est retournée à sa place. Nous n'avions échangé que quelques phrases, et je la sentais, comment dire, à la fois réticente et intéressée. J'ai été l'invitée une seconde fois. Elle ne s'est levée qu'après une hésitation. Elle semblait prendre du plaisir à danser, et pourtant je la surpris à jeter un regard vers l'entrée de la salle, comme si elle appréhendait votre retour. J'ai demandé à la revoir. Elle a souri d'une façon curieuse, sans répondre. J'ai insisté. Elle a fini par dire oui. Nous avons pris rendez-vous pour le lundi suivant. C'est un bon début. Nous nous sommes retrouvés chaque jour de la semaine jusqu'au vendredi. L'après-midi, le plus souvent. Le soir, une ou deux fois. Alors, le vendredi 21, vous m'avez dit. Donc, il y a eu 8 jours vendredi dernier. Et la semaine dont vous parlez était, par conséquent, celle du 23 au 30. Effectivement, ma femme était restée seule à Deauville. À chacune de ces rencontres, assez courtes pour la plupart, d'une heure et demie à 2 heures environ, 3h30 pour la plus longue, un soir que nous sommes allés au cinéma, nos rapports ont continué d'être ceux de la première minute, c'est-à-dire composé d'abandon pour moitié de retenue. Exemple de retenue, elle ne m'a permis en 8 jours que 4 baisers, dont 3 dans la voiture, le 4e la nuit, sur la plage déserte. Ah, eh bien, dites donc, quelle précision. Je sais. Je sais ce que vous allez me faire remarquer. Rien jusqu'ici ne semble justifier ma confiance en l'issue, je dirais, positive de ma mission. Ah. Apparemment, c'est vrai. Et pourtant, je suis certain du résultat. Ah oui, il y a l'autre face de son comportement avec moi. L'abandon. J'ai tenu Françoise dans mes bras. J'ai reçu ses confidences. Elle ne voulait pas que j'apprenne son adresse, de peur sans doute que je la compromette par une indiscrétion, mais dans le même temps, elle me racontait votre vie conjugale et m'avouait qu'elle n'est pas heureuse. Elle vous craint, mais je l'attire.
Ouais. Ou réciproquement, si vous préférez. Mmh. Quand je lui prends la main et qu'elle me sourit, je n'ai pas besoin qu'elle l'exprime avec des mots pour comprendre qu'elle s'est déjà donnée à moi en intention. Que ce n'est qu'une question de circonstances favorables. Son sourire et sa main dans la mienne me l'ont expliqué. En matière de psychologie amoureuse, il faut savoir lire entre les lignes. Entre les lignes de la main. Ouais. En somme, vous venez me vendre un horoscope. Vous savez, sur biais, je ne crois pas beaucoup aux sciences occultes. Et pour résumer en termes un peu directs la situation, vous avez levé ma femme il y a près de 15 jours, vous n'êtes pas encore parvenu à coucher avec elle, mais vous venez m'annoncer que si je vous donne 50 000 francs, vous en ferez votre maîtresse d'une heure à l'autre. C'est pas très percutant, votre dossier, monsieur l'ingénieur conseil. Parce que jusque-là, il ne contient que des promesses. Mais je n'ai jamais affirmé autre chose. Je sais, moi, que je peux les tenir. Hein? Mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous ne risquez rien, cependant, à me mettre à l'épreuve. Ah, hein? Oh, mais certes, votre idée est séduisante. J'ai souvent rêvé, dans les moments difficiles de ma vie conjugale, que quelques princes charmants venaient, ainsi que dans les contes de fées, terrasser le dragon et me rendre ma liberté, ma tranquillité. C'était un rêve impossible. Françoise, à l'instar de la plupart des femmes jalouses, hargneuses, acariâtres, insupportables à vivre, est une épouse fidèle. Fidèle, comme le fauve peut l'être à sa proie tant qu'il n'a pas complètement dévoré. Naguère encore, quand je m'apercevais qu'un homme tentait de lui faire la cour, j'avais une bouffée d'espoir. Mais j'avoue que depuis quelque temps, je me suis résigné à ne pas la perdre. Mais évidemment, j'avais pas envisagé la solution que vous me proposez. Si. Comment, si? Si. Bah, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous l'avez envisagé une fois, sans vous en rendre compte. Je comprends pas. Je donnerais bien 10 briques pour que tu prennes un amant et qu'il t'emmène à jamais loin de moi. Ce sont vos propres paroles. Vous avez prononcé cette phrase le soir du 25 décembre dernier, quelques minutes avant minuit. Vous savez cela? Oui, c'est vrai. Je m'en souviens. Elle m'avait fait une scène particulièrement violente pendant cette nuit de Noël, un réveillon mémorable. Mais vous trompez pas, j'ai bien lancé cette réplique et j'étais sincère. Puis je l'avais oublié. Ah, elle vous a raconté cela. M'impressionner un peu, j'en conviens. Il faut bien que vous ayez pour le moins sympathisé, en effet, et fraternisé même, pour qu'elle vous ait rapporté ce genre de propos. Oui. Je commence à ne plus vous prendre tout à fait pour un farfelu. Ah. Et encore, je ne vous réclame que la moitié. Vous gagnez 50 000 francs. Doucement, hein. Nous n'avons pas encore signé. Non, mais il faudra signer aujourd'hui. Si vous voulez que l'affaire se fasse. Mais allez donc, comme vous y allez, vous. Votre femme est à Paris en ce moment. Oui. Elle repart bien pour Deauville demain après-midi. Oui. Sans vous. Oui, c'est exact. Je devais l'accompagner, mais je vais être bloqué ici toute la semaine. Nous avons un problème de fourniture que nous attendions d'Allemagne et qui ne sont pas arrivés. Eh bien, je ne voudrais pas avoir l'air de vous dicter votre conduite, mais si vous pouviez distraire de votre emploi du temps parisien une demi-journée et une nuit pour un voyage sur la côte normande, je pense que vous n'auriez pas à le regretter. Ah ? J'ai rendez-vous après-demain, mercredi, à 19h30, dans votre villa de Deauville, avec votre femme. Ah, ne me faites pas une fausse joie, je ne vous le pardonnerai pas. Non, hein. Non, je parle très sérieusement. Oh, si vous pouviez seulement dire vrai. Il ne tient qu'à vous de venir le constater. Mais, vous avez rendez-vous à 19h30 ? Mm-hmm. Oui. Oui, mais aucune action de police n'est autorisée au domicile d'un particulier entre le coucher et le lever du soleil. De fait, le constat ne peut être dressé qu'entre 6h du matin et 9h du soir. Ce qui laisse, soit dit en passant, une bonne marge de sécurité aux amateurs. J'y ai pensé, rassurez-vous. Quand Françoise
enfin vulnérable, m'a invité pour mercredi à dîner chez elle, je lui ai fait valoir galamment qu'elle prenait des risques. Elle m'a répondu, je le sais, je les prends. J'ai alors laissé entendre, avec des paroles décentes, mais non équivoques, que le feu qui rougeoyait en moi sous les braises pourrait bien, sitôt franchi sa porte, se transformer en incendie. J'ai même ajouté, un peu lourdement, j'en conviens, que je ne me sentirais pas le cœur à passer à table dans l'instant où je me retrouverais enfin avec elle sous son toit, en tête à tête. Et qu'a-t-elle répondu? Elle a dit, mot pour mot, nous dînerons après. Oh, ben ça me paraît excellent. Vous voyez, mon dossier est très défendable. Oh, ça je commence en effet à le trouver solide. Je crois que je vais m'arranger pour être à Deauville après-demain. Voyons, vous êtes libre demain pour déjeuner? Oui. Alors voulez-vous me passer me prendre ici à 13h? D'accord. Nous choisirons un restaurant tranquille, et puis nous arrêterons les détails de notre plan. Il y a pas mal de petites choses à quoi il ne faudra pas oublier de penser. Une ou deux, par exemple, me viennent à l'esprit dès à présent. Je ne voudrais pas faire un pas de clair. Je partirai assez tôt, et j'irai voir le commissaire à l'avance, en sollicitant son intervention pour 20h30 ou 20h45, sous réserve, pour le cas où quelques contretemps se présenteraient. Il ne s'en présentera pas. Je veux tout prévoir. Vous m'appellerez quand vous aurez couvert la plus grande partie de la route, disons, après Lisieux, pour me confirmer que tout est en ordre et que vous arrivez. Nous conviendrons d'un endroit où j'attendrai votre coup de téléphone et dont je vous laisserai le numéro, le bar du Normandie ou un café quelconque. Mmh, si vous voulez. Il y a un jardin assez vaste autour de la villa. Françoise viendra vous ouvrir la grille ou bien l'aura-t-elle laissée ouverte? Elle ne vous a peut-être pas précisé ça. Si, elle m'a demandé de ranger ma voiture dans la ruelle qui longe le mur de gauche. Oui. Et de pénétrer dans le jardin par la petite porte de derrière. Ah ben, qui ne sera pas fermée à clé. C'est très bien. Cette entrée discrète ne fera que renforcer la thèse du rendez-vous clandestin. Il reste... Oui. La question de mes honoraires. Vos honoraires? la formule me plaît assez. Je vais honorer une dame. Et moi, j'honorerai mes engagements. Soyez tranquille. Vous aurez l'argent mercredi? Oui, je l'aurai. Je sais, Monsieur Bachelard, que je ne veux pas exiger d'être payé d'avance, mais je n'ai pas l'intention non plus de vous faire crédit. Il me fallait donc imaginer un moyen terme. Entre 16h30 et 18h30, votre femme ne sera pas à la villa. Ah. Non, elle va chez son coiffeur, elle me l'a dit. Je suggère que vous alliez, pendant son absence, déposer la somme dans une cachette sûre que vous m'aurez désignée à l'intérieur de la maison ou dans le garage ou dans quelque autre endroit qui vous semblera convenable. Pour la prendre, il faudra que je sois entré. Ma mission aura commencé, vous serez garanti. Ouais. Mais si je ne les trouve pas, je n'irai pas plus loin. Oui, la confiance règne, quoi. Si la confiance régnait, les notaires seraient au chômage. Oui, mais garanti. Quelle garantie aurais-je, moi, que vous ne filerez pas avec l'argent? Oh, je serai chez vous, ma voiture dans la ruelle, et vous, non loin de là, prêt à entrer avec deux policiers. Oui. Oui, bien sûr. Bon, ben, nous verrons cela. Si je ne suis pas en possession de l'argent, je ne commence pas le travail. Bon, mais c'est entendu, nous ferons comme vous voulez. Ah! Vous êtes dur en affaires. En amour aussi. Ici. Fermez la porte, s'il vous plaît. Pourquoi n'êtes-vous pas dehors? Je vous attends. Et votre femme? Il y a eu quelques modifications dans le plan que nous avions établi. Je vais vous l'expliquer. Vous avez trouvé l'argent?
Il est là, dans ma serviette. Entrez par ici. Françoise n'a pas pu venir ? Ça n'est pas exactement ça. Allez jusqu'à la porte au fond de cette pièce. Ouvrez. Je vous présente ma femme, Monsieur Surbier. Ma vraie femme, Françoise Tourelle, épouse Bachelard. Vous ne la connaissiez pas encore. Non, il est inutile de vous en approcher davantage. Personne ne peut plus rien pour elle. Elle est tout à fait morte. D'ailleurs, elle a été tuée sur le coup. Ce candélabre de bronze pèse près de 3 kilos. Elle a eu le crâne fracassé, je suis sûr qu'elle n'a pas souffert. Qu'est-ce qui s'est passé ? Crime passionnel, vraisemblablement. Un soupirant est conduit que la colère aveugle et qui perd tout contrôle de lui-même, saisit le premier objet lourd à portée de sa main et frappe. Ce sont hélas des choses qui arrivent. On lit parfois dans les journaux les récits de drames de ce genre. Revenez dans le salon, voulez-vous ? C'est vous qui l'avez tué. Asseyez-vous là-bas. Là-bas, sur le canapé. Et asseyez-vous. Ce que je tiens là est un pistolet automatique de calibre 9 mm. De temps à autre, je m'amuse à vider un chargeur dans la cave le dimanche après-midi. Et à 8 mètres, j'éteins la flamme d'une bougie 4 fois sur 5. Vous êtes à peine à 3 mètres de moi, je ne pourrai pas vous manquer. Je voudrais bien que vous me disiez... Vous allez comprendre. Je ne vous laisserai pas mourir idiot, comme on dit. Pour l'instant, je propose que vous déposiez d'abord votre serviette sur le tapis. Allez. Là. Repoussez-la du pied. Lentement. Lentement. Un peu plus loin. Encore. Là, ça va. Vous n'aurez plus besoin de ces 50 000 francs. Ne les regrettez pas. Monsieur Surbier, je ne vous demande que 10 minutes. Ou plutôt, je vous les accorde. C'est dans des films policiers généralement médiocres que l'assassin, tenant sa future victime au bout du canon de son pistolet, discourt interminablement pour analyser les mobiles de son geste et le mécanisme de sa machination. Il n'y a la plupart du temps aucune raison logique pour justifier ce monologue. On sent bien que c'est seulement pour renseigner le spectateur. Dans notre cas, c'est différent. J'ai réellement besoin d'une dizaine de minutes. Un peu moins, pour être précis. 8 minutes 50. 8 minutes 50 exactement si rien n'a cloché dans ce qui est prévu. Ah, c'est de votre faute, vous vous êtes présenté avec presque un quart d'heure d'avance. Or, il est d'une absolue nécessité que je vous maintienne ici à ma disposition et réduit à l'impuissance jusqu'à l'arrivée d'une certaine dame que nous attendons. Dans tout alibi, vous n'ignorez pas, il y a un témoin. Dans tout alibi, il y a aussi un point faible. Pas dans celui-là. Et d'ailleurs, quand je parle d'alibi, c'est pas tout à fait le terme propre. On invoque un alibi quand on plaide non coupable. Mais il faut que tout soit cohérent. Quand vous vous êtes arrêté dans cette auberge de Pont-l'Évêque pour me téléphoner, vous y avez pris une consommation ? Pourquoi cette question ? Répondez. Oui. Qu'avez-vous bu ? Un citron pressé. C'est parfait. Je préfère. La médecine légale de nos jours a fait des progrès spectaculaires. On parvient à déterminer l'instant de la mort avec parfois une précision confondante. Et c'est très important l'heure de la dernière ingestion pour l'autopsie. Bougez pas. Je ne veux pas vous voir remuer l'ongle du petit doigt, Surbier. Et si vous décollez seulement une fesse de votre siège, je vous loge une balle en dessous de la ceinture. Vous savez, ce genre de blessure qui n'est jamais mortelle à brève échéance, mais qui peut vous faire endurer un martyr. Rappelez-vous bien ça, hein ? Je ne dois pas vous tuer tout de suite, mais rien ne m'empêche de vous abîmer d'abord. Alors il ne tient qu'à vous de mourir en bonne santé. Renoncez à toute tentative de contre-attaque. Je ne me laisserai pas surprendre, sachez-le. Je voulais seulement prendre mon paquet de cigarettes dans ma poche. Eh ben, laissez vos mains où elles sont. J'ai envie de fumer. Tintin. Eh, la main mienne. Allez, attrapez. Et les allumettes sur la table basse à votre gauche. Non, prenez la boîte d'une seule main. J'ai dit d'une seule main. Mais ça n'est guère commode. Eh ben, débrouillez-vous. De nos deux, on pourrait presque croire que c'est vous qui avez le plus peur.
Oh, je reconnais que vous témoignez d'un calme remarquable. Ça, vous avez du courage physique, c'est évident. Enfin, à moins que ce ne soit une énorme inconscience. Mais je ne suis pas non plus très impressionnable. Ne vous faites pas trop d'illusions. Je n'ai peur ni de vous, ni de vous abattre. Je suis simplement précautionneux. Je ne commettrai pas la moindre erreur. Sait-on jamais ? Oh non. Pas la moindre, Surbier. Dans 7 minutes maintenant, Véronique arrêtera sa voiture devant la grille de la villa. Je suis censé avoir fait le voyage avec elle. 4 personnes nous ont vu partir ensemble de Paris dans sa voiture, qui est une deux chevaux, et qui ne peut parcourir cette distance en moins de 2h30 dans le meilleur des cas. Nous sommes arrêtés à Bonnières chez des amis qui pourront attester que j'étais avec elle. À la sortie de Bonnières, j'avais caché dans un abri-sûr une grosse moto, une machine puissante qui monte à 190. Pendant que Véronique terminait seule le trajet, j'ai avalé en moins d'1h20 les 170 km restants et je suis arrivé ici, bien dissimulé sous mon casque et mes lunettes de motard, avec assez d'avance pour recevoir votre appel et faire ce que j'avais à faire. Véronique, vous la connaissez sous un autre prénom et un autre nom que les siens. Oui, elle s'est fait passer pour ma femme auprès de vous. Vous êtes laissé avoir sur toute la ligne, mon vieux, avec vos airs vainqueurs et votre insupportable prétention. Non, pas un geste! Je vous surveille. Je cherche un cendrier. Eh ben, jetez vos cendres dans la cheminée. Faut vous craigner encore, hein, c'est plus fort que vous. Il n'y a pourtant pas de quoi. Je vous ai manœuvré comme une marionnette dès la première minute et vous y êtes allé pas à pas, très exactement, où je voulais vous conduire. Une seule fois, peut-être, vous avez eu un semblant d'initiative et sur un détail très accessoire. Avec votre petite farce de la photo qui s'envole de votre porte-carte et atterrit sur mon bureau. Toujours votre goût de l'effet, du clinquant de music-hall. Hein? Fond, vous êtes un cabotin. Oh, vous ne vous êtes pas regardé. Vous ne vous montrez pas, quant à vous, si mécontent de vous-même. Vous êtes là, en train de vous pavaner dans votre autosatisfaction. Ce n'est en rien de la vanité. C'est la fierté légitime de l'inventeur qui voit son projet prendre corps et qui touche au succès. Oh, la comparaison est hardie. Elle est pourtant juste. J'ai inventé quelque chose. Le crime presque parfait. Voyez-vous, la faute de la plupart des assassins est de jouer quitte ou double. L'impunité totale ou la condamnation. Il vise à échapper complètement à la justice. Bien entendu, ça peut réussir. Il y a des meurtriers impunis. 1 sur 100. Mais les autres, tous les autres, finissent entre 2 gendarmes. Moi, j'ai imaginé de commencer par où les autres finissent, d'affronter la police tout de suite, de faire face à la justice de mon propre chef. Je pourrais dire, et ceci ne serait pas seulement un calembour, de mon propre chef d'inculpation. Au lieu de fuir le tribunal pour conserver une liberté précaire, je me sers de lui, moyennant une peine modique, pour garantir ma liberté à jamais. Entre 2 gendarmes, il faut choisir le moindre. Mais ne vous interrompez pas, monsieur Bachelard. Je trouve ces explications passionnantes. Oh, je vous ai cherché longtemps, Surbier. J'avais besoin, pour préparer mon affaire et pour la réussir, d'un type dans votre genre. Coureur, joueur et paresseux. Suffisant, mais naïf. Assez beau pour paraître irrésistible aux yeux de certaines femmes, mais assez bête pour se croire désiré de toutes. Sans scrupules, bien sûr, et vénal, cela va de soi. Assez entreprenant pour saisir ma perche, mais assez aveugle pour tomber dans mon piège. Vous voyez que moi aussi, je sais peindre un caractère. Vous, c'est de la peinture au couteau. Je vous ai cherché durant des mois. Et je vous ai trouvé il y a 3 semaines à Deauville. Je prenais un verre à la terrasse du Normandie avec Éric Péquigny. La chance vous a fait passer dans la foule des promeneurs à quelques mètres de nous et Péquigny. Ça vous dit quelque chose, Péquigny?
Il m'a dit qui vous étiez et quel genre de service vous saviez rendre à l'occasion. Il vous a versé 3 millions d'anciens francs il y a 4 ans pour séduire sa femme et vous faire choper avec elle en flagrant délit dans leur villa de Saint-Tropez. J'entrevoyais enfin la réussite. Ah, il était temps, ça, je vous l'avoue, car la vie chez moi était devenue intenable. Oui. Il y a un point capital que vous avez toujours ignoré, mon cher, et sur lequel Véronique a su très habilement vous induire en erreur. C'est ma femme qui était riche, et non moi. Les laboratoires Bachelard-Tourelle, en réalité, ne sont que les laboratoires Tourelle, épousés par Georges Bachelard. Oui. C'était Françoise, unique héritière de son père et de son oncle, qui tenait les cordons de la bourse. Une très grosse bourse, avec des cordons très serrés. Le mari, lui, il voyait son nom imprimé sur les tubes de pommade et les flacons d'antibiotiques, mais il était payé au mois, comme les chauffeurs-livreurs. Je gagnais moins que mon inspecteur des ventes ou mes chefs de produits. Oui, et quand je voulais changer de voiture, il fallait que je demande la permission. Cette Véronique, oui, que j'ai toujours appelée Françoise, n'est qu'une complice ? Ou bien est-ce que c'est elle, votre maîtresse ? Véronique est la femme que j'aime, que je vais épouser, mais que je regretterai toute ma vie de n'avoir pas rencontré 20 ans plus tôt. Dès les premiers jours, j'ai su que je prendrais n'importe quel risque pour elle, pour nous, pour notre bonheur à tous les deux. Il semble qu'elle vous l'ait bien rendu. Oui, c'est vrai. Elle m'a été plus que précieuse dans cette affaire. Elle est indispensable. Oui, je sais ce que je lui dois. Et si elle n'avait pas accepté de jouer le rôle de Françoise auprès de vous, rien n'aurait été possible. Véronique ne sait pas me refuser grand-chose. Quand une femme est amoureuse, elle donne tout jusqu'à sa conscience et son âme, si on sait les lui demander. Elle peut aller jusqu'à se rendre complice d'un meurtre. De deux meurtres. Oh, je peux bien vous confier un secret, je suis certain que vous ne le répéterez pas. Ah, vous êtes cynique en plus. Non, je suis seulement très décidé. Oui, je peux vous en faire maintenant la confidence. Je n'ai pas médité ce coup uniquement pour Véronique. Non, il y avait aussi l'argent. Même si je n'avais pas été poussé par l'amour, j'aurais quand même comploté mon veuvage. Hey, il faut me comprendre. Bachelard Tourelle pèse 887 647 000 francs hors taxes de chiffre d'affaires pour le dernier exercice. Hein? Ça vaut bien la peine, pour les gagner, de porter le deuil pendant quelques mois. En tout cas, ce que vous ne gagnez pas, c'est à être connu. Plus je vous découvre, plus il m'apparaît que vous incarnez la plus pure espèce de salaud qu'il m'ait jamais été donné de rencontrer. Peut-être, mais je m'en fous, Surbier. Un salaud impécunieux, ça s'appelle un salaud. Un salaud milliardaire, ça s'appelle un milliardaire. Quels sont les principaux cas d'excuses légales dans le droit français? Autrement dit, quelles conditions particulières doivent être réunies pour que Georges Bachelard assassine sa femme Françoise, dont il est légataire universel, en ne payant cet homicide volontaire et prémédité que de quelques semaines de prison, quelques jours même, avec un bon avocat? Moi, je connais les réponses sur le bout du doigt. Sur le bout de ce doigt qui va presser la détente. Article 321 du Code pénal. Le meurtre est excusable s'il a été provoqué par des coups ou des violences graves envers les personnes. Article 324, second paragraphe. Dans le cas d'adultère est excusable le meurtre commis par l'époux sur l'épouse. Cette clause-là, j'en ai pas besoin. Ainsi que sur le complice. Celle-là, par contre, va m'être très utile. À l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale. Article 329. Si l'homicide a été commis en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leur dépendance. Vous voyez, c'est plus qu'il ne m'en faut.
Je surviens à la proviste le soir, dans cette ville-là, qui est mon domicile. Je constate des traces d'effraction sur la petite porte qui s'ouvre dans le mur du jardin, derrière la propriété, car je n'en ai pas débloqué. J'en ai forcé la serrure. Je monte au premier étage, jusqu'à la chambre à coucher, où je découvre ma femme gisant, morte, le crâne brisé, à demi-nue, dans une flaque de sang. À cet instant, vous surgissez, hagard, avec du sang sur les mains, et vous vous précipitez sur moi. Qu'est-ce que je fais? Je vous échappe. Je cours saisir dans le tiroir de la table de nuit un pistolet qui s'y trouve depuis des années, et pour lequel j'ai obtenu un permis de port d'armes il y a plus de 5 ans, et je vous abats. Après, je décroche le téléphone, j'appelle la police, et je dis d'une voix blanche, « Venez vite, je viens de tuer l'assassin de ma femme. » Car vous passerez pour son assassin. On retrouvera vos empreintes sur le candélabre où j'aurai soin dans un instant de poser votre main encore chaude. Moi, je l'ai manié avec des gants. Ah, voici la voiture. Véronique aura respecté l'horaire à la seconde près. Je suis désolé, Surbier. Vous ne m'étiez pas sympathique, mais votre mort ne me causera aucun plaisir. Simplement, votre peau m'est nécessaire, alors je vous la prends. Quoi? Quoi? Attention, Bachelard. Tiré de trop près, un coup de feu à blanc peut gâter irrémédiablement le tissu d'un veston. Sans compter que vous risqueriez de me brûler la peau. Regardez. Vous m'avez roussi les poils sur le dos de la main. Pour venir à notre rendez-vous, j'ai mis l'un de mes meilleurs costumes. L'année soie, importé de Londres, coupé avenue Georges V. Mon préféré. Si vous me l'abîmez, je me fâche. Non, non. Inutile de vérifier le chargeur. Toutes les cartouches sont à blanc, c'est moi qui les ai changées. Vous ? Surpris, hein ? Mais décidément, nous ne nous ennuyons pas quand nous sommes ensemble. C'est à qui sortira le plus gros lapin de son chapeau ? On se croirait à un congrès d'illusionnistes. Allons, jetez donc ce pistolet. Il est aussi inoffensif qu'une protestation d'ambassade. Il ne peut plus vous servir à rien. Mais comment avez-vous fait? Pour changer ces cartouches. Ah. Ben, je suis venu à Deauville la nuit dernière, et j'ai remplacé le chargeur de votre arme par un autre, garni de cartouches à blanc. Pour plus de précaution, j'ai fait de même avec les deux chargeurs de réserve qui sont rangés derrière le premier volume du Littré, sur le rayon du bas de la bibliothèque. Mais comment êtes-vous entré? Par la porte, en me servant des doubles de vos clés, que Véronique avait fait fabriquer jeudi matin, après vous avoir subtilisé pour quelques heures votre trousseau. Quoi, Véronique? Non, non, ne criez pas, c'est imprudent. Et ne menacez pas, c'est inutile. Qu'il soit bien entendu que, désarmé, vous n'avez plus aucun espoir de me dominer par la violence physique. J'ai 10 ans de moins et 15 kilos de plus que vous, 15 kilos de muscles. Alors je vous déconseille fortement de rien tenter de ce côté-là. Puis ne louchez pas non plus vers le candélabre, ni vers son frère jumeau resté sur la cheminée. J'ai appris à me battre et je vous assure que je sais faire très mal. Vous êtes vaincu, Bachelard. Il faut le reconnaître et m'écouter. C'est votre seule chance. Tout ce qu'il vous est encore permis d'entreprendre à présent, c'est de maintenir la bouche hors de l'eau en essayant de ne pas faire de vagues. Non, asseyez-vous, tenez. Planté là, bras ballants, vous êtes pitoyable. Je suis insensible à la pitié, tout comme vous, mais je trouve que cela nuit à la qualité du spectacle. C'est assez déprimant, un boxeur groggy qui reste sur ses jambes. Le chaos debout est le moins beau à voir, et le plus dangereux. Véronique vous a trahi. C'est une réalité, il n'y a guère à épiloguer là-dessus. Une fille est pareille à la chance. Si on la veut vraiment très fort, elle finit par vous tomber dans les bras. J'ai voulu Véronique très fort. Et je l'ai eue. Ce n'est pas possible. Tout est possible avec une femme. La femme est imprévisible, comme le chat. Et puis, Véronique et moi sommes de la même race. De la race des pirates, des bandits de grand chemin. Vous pas, oh non, vous êtes un larron d'occasion, Bachelard. Vous n'avez pas la vocation d'un coureur d'aventure.
Il n'empêche que vous aviez conçu votre machine infernale avec une belle intelligence et un talent certain. Je vous rends cette justice. C'est la moindre des élégances, puisque je veux en profiter. Si nous nous mettons d'accord, il ne faudra plus tarder trop à appeler la police. Nous n'avons pas beaucoup de temps aussi, je vais être bref. Voici mes conditions. Primo, dès la succession liquidée, je rentre dans Bachelard Tourelle pour 42%. Votre femme possédait en propre 80% des actions, qui vont vous revenir. Vous en détenez déjà vous-même 4%, soit 84%, moitié-moitié. Mais vous êtes fou ! Silence ! Vous n'êtes pas en situation de discuter. Il ne s'agit pas pour vous de négocier un traité, ni même de marchander un armistice, mais de consommer une capitulation. Vous me cédez la moitié des actions dont vous disposez, et vous m'en acquittez la cession. Et vous vous débrouillerez pour les payer à ma place. Secondo, en attendant cet heureux jour, et comme témoignage de votre bonne volonté à mon endroit, vous me signez ce petit papier que j'ai là, dans la serviette, avec l'argent et le magnétophone dont il faut, entre parenthèses, que je pense à actionner le bouton d'arrêt. Voilà, ce que nous disons maintenant n'a plus besoin d'être enregistré. Par contre, vos aveux très complets du début de la soirée pourraient m'être précieux par la suite. On ne sait jamais. L'audition n'en sera pas excellente, sans doute, c'est un petit appareil à pile, mais j'ai fait plusieurs essais, je suis sûr qu'on entendra correctement. Et puis, pour un juge d'instruction, n'est-ce pas, ce qui importe dans une audition, c'est moins la clarté de la voix du prévenu que la sincérité de sa confession. Fumier ! Oh, soyez poli, s'il vous plaît, n'oubliez plus que vous parlez à votre associé. Tenez, signez-moi cette lettre, je vous prie. Non, ce n'est pas la peine de lire jusqu'au bout. Il ne s'agit que d'un petit billet amical dans lequel vous reconnaissez avoir tué votre femme, puis m'avoir faussement convaincu à mon arrivée, après vous, sur les lieux, que vous n'y étiez pour rien. Ou c'est pour le cas où la bande magnétique se conserverait mal ou serait détériorée accidentellement. Alors, vous signez ? Je sais bien que ça n'est pas drôle de devoir partager les laboratoires Bachelard-Tourelle, qui sont une vieille affaire de famille avec un étranger, presque un inconnu. Mais nous aurons tout le temps de faire connaissance. Et puis, tant que je serai avec vous, Georges, vous n'aurez rien à craindre de la justice. Choisissez. C'est moi ou les assises. Vous venez de le dire, il n'y a pas un quart d'heure. Entre deux gendarmes, il faut choisir le moindre. Allez. Signez. Bien. J'irai porter tout cela dans ma voiture avant l'arrivée des enquêteurs. Véronique est en bas, je vais la faire monter. Nous appellerons la police. Et puis nous déclarerons que nous venons de découvrir le corps de la malheureuse Madame Bachelard, assassinée sauvagement chez elle, en l'absence de son mari. Ah, nous vivons décidément une bien triste époque. Les honnêtes gens n'y sont plus en sécurité. Véronique témoignera qu'elle ne vous a pas quitté depuis Paris. Moi, je dirai que je vous ai rencontré dans la Deux Chevaux, à la sortie de Trouville, et que vous m'avez invité à vous suivre jusqu'ici. Ayez confiance, tout se passera bien. Je vous soutiendrai, Georges, dans cette épreuve difficile. Vous n'êtes plus seul désormais. Nous sommes deux. Vous permettez que je conserve les 50 000 francs. C'est une petite avance qui m'aidera à patienter. Vous savez ce que c'est quand on attend un héritage. Pierre Billard avait choisi ce soir pour vous, entre deux gendarmes, il faut choisir...